tous ces muguets que fleurit. Tes oiseaux cabec, tes bézalions. Mon cabot dans l'allée des soupirs. L'amour qu'a voltigé. Colibri, fini donc moi. Flûte, violon, guitare, en bas, balcon moins, cabas moyen, sérénade. La liane d'argent, du bel muguet moins, marée que l'amour est moins. La 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 la. Cabas moyen, sérénade. La liane d'argent, du bel muguet moins. Marée que l'amour est moins. La 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 la. Génial, Fab. Alors oui, ouais, dis-nous un mot alors sur cette chanson. Alors, je vais dire déjà un poème, enfin quelques phrases de Verlaine, parce que Jenny était quelqu'un de très cultivé, mais mondialement cultivé. Enfin, elle avait une culture mondiale. C'était quelqu'un d'extraordinaire, et je cite ses vers par rapport à cette chanson. Son regard est pareil au regard des statues, et pour sa voix lointaine et calme et grave, elle a l'inflexion des voix chères qui se sont tues. Jenny nous a quittés à 100 ans et 6 mois, et elle a joué jusqu'à l'âge de 99 ans sur scène. Et toi, tu as eu le plaisir donc, de jouer avec elle le cahier d'un retour au pays natal. Ah non. Le cahier d'un retour au pays natal, je l'ai joué seul avec Ali Wagé. Oui. Vous connaissez Ali Wagé? Non. C'est un flûtiste peu... Maintenant que tu me dis, je vais aller chercher. Un grand flûtiste de flûte peu. Non, on a joué avec Jenny Alpha, surtout Folie ordinaire d'une fille de charme, mise en scène par Monsieur Daniel Mesguich. Et un par jour, Daniel Mesguich. C'est Daniel Mesguich qui a créé la pièce. Un jour, d'accord. Julius Amédélaou se baladait, comme il dit, avec sa fille. Oui. Sa fille, c'était son texte, dont personne ne voulait. Un jour, il est arrivé, là c'est vraiment la petite histoire... il est arrivé aux portes de Daniel Mesguich, qui habitait dans le même quartier que lui, et il avait, je ne sais pas si vous connaissez Julius Amédélaou, une sorte de pantalon salopette bleu comme ça, et Daniel a ouvert, il dit non, nous n'achetons rien, et il a refermé la porte, voilà. Et en fait, il dit non, monsieur, c'est pour le théâtre, et il lui a laissé son texte, et le lendemain, il a lu le texte, Daniel, dans la nuit, il l'a rappelé Julius, qui était complètement endormi et qui lui a répondu, il a raccroché aussi. Enfin, il y a eu un truc comme ça un peu rigolo pour leur rencontre, et Daniel Mesguich a décidé de monter cette pièce, Folie ordinaire d'une fille de charme. Ensuite, nous l'avons créée au Théâtre de la Bastille, et M. Jean Rouch est venu voir la pièce, et il a été complètement sidéré par l'authenticité, déjà par la transe. Hein, puisque lui, c'était le maître du cinéma de trans et possession. Alors, et il avait été avant, de, alors avant qu'on ne fasse cet hommage court qu'on va faire à Jean Rouch,
Je voudrais donc juste te rappeler que donc, cette année, en 2017, donc, nous célébrons le centenaire de l'anniversaire de Jean Rouch. Est-ce qu'autour de la table, tout le monde sait qui est Jean Rouch? C'était un homme adorable. Voilà, il avait un côté très africain, je trouvais. Ben oui, parce qu'il a vécu en Dans genre, il nous prenait par la main pour marcher dans les jardins. On a tourné le film dans les jardins de l'Observatoire. Donc on marchait comme ça, pieds nus, il tutoyait tout le monde. Et voilà, il était mais adorable. C'était quelqu'un de passionné, adorable, je crois complètement sincère, authentique. Et il avait voué sa vie à l'ethnologie, au cinéma et à la cinématographie, mais dans la pureté, c'est-à-dire qu'il tournait la caméra à l'épaule, en 8 mm, avec ce qu'il y avait. Il reproche un peu aux jeunes, j'ai vu là dans un reportage, un trop de moyens finalement qui vient nuire à la simple inspiration. Et je trouve qu'il parle du mot inspiration. Et c'est vrai qu'il était dans l'inspiration quand il a vu Folie ordinaire d'une fille de charme au théâtre. Il a fait quelque chose, c'était en 1984. Donc, à l'époque, on en était dans les captations de théâtre, au théâtre ce soir, je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, mais avec les trois coups de... Voilà, c'est ça. Donc, ça n'allait pas très loin. Là, il proposait autre chose à Mesguich et à Julius. C'est de réadapter, en fait, d'adapter la mise en scène de Daniel Mesguich et le spectacle de Daniel Mesguich, mais pour son cinéma à lui, pour ce que lui avait inspiré, en fait, cette transe dont il avait été témoin sur scène, et aussi pour dénoncer les méfaits de l'Église catholique lors de l'esclavage, pendant toute cette histoire d'esclavage, de déportation de millions de Noirs aux États-Unis et aux Antilles, ce dont parle la pièce, qui se passe dans un huis clos, dans un hôpital psychiatrique. Et c'est tellement vrai ce qu'il a fait que certaines personnes qui ont vu le film sans nous, les actrices, on n'était pas tout le temps là, ils ont cru que c'était des vraies folles. Alors que c'était des comédiens. Que c'était un documentaire, en fait. Des fous. Alors que bon, il avait été réglo, à mon avis, puisque... Il y avait quand même nos noms au générique et le nom, tout est indiqué à la fin, mais les gens... Vous n'étiez pas folle. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, mais je veux dire, il avait... on se voit après. Mais c'est vrai que la pièce parle de la folie ordinaire d'une fille de charme. Donc de Madame Amélie, c'est donc Jenny Alpha qui interprète ce rôle. C'est pour moi le plus grand rôle qu'elle ait interprété. Et il faut que ça se sache. C'est-à-dire que là, moi, je suis assez déçue, je suis même triste. En fait, parce que je vois qu'au musée d'Appert, il y a un centenaire pour Jean Rouch, que mon film n'est pas là. Le musée d'Appert qui va fermer. Je vois que il y a eu un hommage au Festival de Cannes. Je vois que mon film n'est pas là. Jean affectionnait énormément ce film, justement, parce que c'était très original ce qu'il proposait. C'était vraiment une adaptation cinématographique d'une pièce de théâtre. C'était complètement moderne pour lui. C'est la première fois qu'il faisait ça. Et il étonnait. Chaque samedi, au Musée de l'Homme, de son vivant, il faisait des projections tous les samedis matin. Le Musée de l'Homme qui porte une salle à son nom, qui a une salle à son nom qui s'appelle la salle Jean Rouch. Donc pour ceux qui veulent en savoir plus sur les célébrations organisées pour le centenaire de la naissance de Jean Rouch, vous pouvez vous rendre sur le site www.jeanrouch2017.fr. Alain, c'est à toi. Mais un peu de musique avant. Prépare-toi. Le meilleur pour la fin. Ah, ça c'est moi, ça. Tu vas nous donner la parole pour la fin après. Ouais, parce qu'il faut quand même. You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like...